Eh bien salut à tous, la communauté Zen, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant la saison 8 et nous avons une nouvelle image de teaser en ce deuxième jour puisqu'il n'en reste plus que 3. Donc faites attention, finissez tout ce que vous avez à finir, la saison 8 arrive. Et donc aujourd'hui on a un petit message qui est le suivant. Au fond de la grotte oubliée, un lointain secret brille comme l'or, gare à ceux qu'approche la marée, ils hurlent au cri de 1000 sabords. Alors bon déjà... Le texte utilise des mots comme les pirates, hein, 1000 sabords et compagnie, mais c'est là où je veux en venir. Au fond de la grotte, un lointain secret brille comme l'or. Alors moi, ça me fait penser à un truc que je vais essayer de vous montrer directement là sur le jeu, c'est les œufs qu'on voyait sous Polar Peak. Tout le monde disait que ça parlait de dragon et partait un peu dans ce sens-là, mais ce que je peux voir, c'est que ce qu'il y a dans les œufs, c'est exactement ce qu'on voit à l'image. Ce sont des espèces de serpents cobras bizarres. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Après, je sais pas si vous avez vu ma vidéo de ce matin, où je vous avais mis en scène deux théories différentes avec les robots et avec les pirates. Alors pour le coup, cette deuxième image permet pas de, on va dire, de se fixer plus que ça par rapport à ça. Mais je sais que par exemple, les pirates, c'est quelque chose qui va être viable dans le jeu, puisque j'avais une petite source où je pouvais vous dire que... Tout ce qui est maritime, etc., ça va vraiment arriver sur la map. Mais après, comme je vous dis, là on va se concentrer sur l'histoire des serpents. Et si vous voulez les voir comme moi, et eh bien il vous suffit d'aller à Polar Peak, comme je suis en train de le faire, et de descendre là où il y avait la grotte au tout départ, et où on pouvait observer les petits œufs, soi-disant au départ de dragon. Alors, avec cette image qu'on a pu constater là aujourd'hui, donc depuis 2-3 minutes, qui est en ligne, qu'il ne s'agit pas forcément de dragon. Mais peut-être de serpents. Alors, des serpents de feu, je sais pas exactement à quoi ça pourrait faire référence. Mais je vais vous montrer ça tout de suite, vous allez voir que c'est plutôt intéressant. Alors là, on arrive à l'endroit où il y a les œufs. On va voir qu'ils n'y sont plus. Eh bien voilà. Eh bien, qu'est-ce que je vous disais? Donc, cette deuxième image de teaser montre que justement, quelqu'un ou quelque chose a enlevé les œufs de leur emplacement. Ou peut-être que les œufs ont éclos et que... Les serpents en question ont disparu. Alors, à vous de me dire où est-ce qu'ils peuvent être cachés, puisqu'ils nous parlent dans le teaser officiel, donc depuis 2-3 minutes, de grotte. Alors, je sais pas si vous avez une grotte en tête, mais moi, je pense, et c'est pour ça que je vous dis ça, on a entendu dire que la saison 8 ramènerait des souterrains avec toutes les fissures, il y aurait des souterrains qui allaient apparaître sur la carte. Je pense qu'on retrouvera ces nouvelles créatures. Pas en surface, mais dans le sous-sol. Donc dans ces souterrains en question. Je vais relire pour voir avec vous si on peut trouver un endroit qui soit viable. Alors, ils disent au fond de la grotte oubliée. Alors, quelle est la grotte oubliée? Ça, c'est une question que je me pose. Quelle grotte pourrait être oubliée dans le sens où il n'y a aucune grotte qui a été, on va dire, enlevée de la carte ou rajoutée de la carte depuis toutes ces saisons? Un lointain secret brille comme l'or, grâce à ce qu'apporte la marée. Ok, bah je sais pas. Franchement, je suis en train de penser. Je pense à la seule grotte oubliée, ce serait peut-être le bunker qui est à Winningwood, que tout le monde a oublié depuis 2-3 saisons parce qu'il se passe rien avec ce bunker. Mais je vous laisse me dire en commentaire à quoi vous pensez, puisque franchement, là pour le coup, c'est une énigme que j'adore. Celle encore d'hier, elle n'avait pas apporté trop de, comment dire, de précision, mais celle d'aujourd'hui, avec les serpents et les œufs qui ont disparu, je pense que c'est super stylé que demain on va commencer à être fixé sur cette saison 8. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire. N'hésitez pas à mettre mon petit code créateur en boutique. Je vais vous montrer comment faire, puisque toutes les 15 jours, pardon, ça s'enlève. Donc Telmo-Lopez et vous acceptez pour me soutenir en boutique. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Je vous remercie, mais surtout n'oubliez pas de rester zen. Je vous dis à tout à l'heure ou à demain. Salut tout le monde!